Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Bote Nabino Balandi, GKAM Télévision, merci Nabino pour la fidélité, merci pour la confiance au Bopé Sakabiso, tout le Nabino. Basango ya maïle kakana kati ya République démocratique du Congo, bien sûr, à travers analyse, paix, décryptage, yaba information. Merci Mingi na papa Gérard Kabea, pe sakabiso, opportunité à représenter émission Oyona Etando ya GKAM Télévision. Merci pe na bino batu Oyo, bozo faire partie désormais na famille Debout Congolais. Na lobi, pour na roko ma membre ya Debout Congolais, et ça simple. Abonnez-vous sur GKAM Télévision. Cliquez sur la cloche de notification pour chaque fois que ma nouvelle n'abîme et koyaka. Osangate korate yango. Bisonyon so. FARDC na moté manakani si soko osa penda ya solo. Moi na ekolo Congo. Motolo na yo bakunda ngo na Congo. Osa pe libanda ya mboka. Osa na ba origine na yo 100% congolais de père et de mère. Osa la pe demi de Dakar. Ils ont un interdit. Aux la chinois, si tu te sens congolais, na kanti ke faut la vraiment soda na front et longo na ba faire de ces nabiso. Mbote pa na bino de partout bozola nabiso à travers le monde, na cité awa bande konango bazana lubef. Bino bande ko bozola nabiso à partir à Kisangani. Bande ko bozola ndanga partir à Lubumbashi, n'espace grand Katanga Mobimba. Bozola ndanga partir à Congo central. Vous êtes dans les grands bandundu. Bozala kuna na mboka ya bayaka. Et pas bande konanga kuna bayaka kasongolunda bozali na kenge bozali na kikwit bozali na kayemba tout l'espace la grand bandundu na bisiko na tangite bana kwango nyonso kuna vraiment na za na bino de cœur et toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo otanga ki ya bisote toza ebele na prochaine émission na kozanga te pe kotanga pe ville na yo. Bandeko bazali banda mboka ebele boza connecté na Debout Congolais boyebi ke samba olonga nde molobeli na bino. C'est bien sûr nga moko samba olonga mutu na zana micro oyo la voix des opprimés lokola na mumesano tolobaka samba olonga mokileza balance justice ya Nzambe basakana kana ngote soko ko échapper na contrôle ya justice ya mokili me ya Nzambe. Moto moko ta échappaka na contrôle nango salaka kamalamu parce que atozo sala na nkuku atozo sala na mpoisa ato kantio za puissant tôt ou tard nous finissons toujours par payer les prix de nos actes. Vous êtes le bienvenu na chaîne nabino préférée GKAM Télévision. Conseil de sécurité de l'ONU des Nations Unies bien sûr va prolonger. J'ai dit oh va outa ko prolonger pendant que biso tozo fêté indépendance na biso. Conseil de sécurité bazalaki na réunion kuna esika wapi bazalaki réuni ba décidé ba prolonger encore pour un an régime de sanctions oyeza imposé na RDC, c'est-à-dire régime de sanctions pona bango mando kinyonso au Congo linga commandé soki eza ya lourd ou bien eza léger il faut lekelaka na consentement ya Nations Unies yende muta ko certifier soki oui ou pas vous pouvez acheter les armes. Oyo ezali signe nini Nations Unies azali kolakisa biso aussi longtemps qu'il y a des preuves irréfutables y a agression rwandaise na République démocratique du Congo. Vraiment tozali na bato yo bakokaye ko soutenir biso basalaki angote baza banani tozali pe na bato yo basalaki au côté de la République démocratique du Congo pour demander que embargo wana elongwa. Yango nde mutu ezali sujet na biso principal na bemeni bino tout au long ya émission oyo na senga na biso nyonso ke Debout Congolais ya kawana pona kola musa patriote nyonso ya solo ya liboso ezali bolingo ya mboka oyo etikali na kanisi moto na opinion na ye na respect ya baloi ya République démocratique du Congo na osuki sabongo na communiqué ya FARDC sir Bibundeli biloko oyo ba botolaki na ba rebelle boni bakufaki bazalaki combien wana esa petite parenthèse to kosusi ya nongo. Actualité na biso ya mokuse oyo na yenango lelo. Encore une fois de plus boye imalamu na kati ya émission oyo Debout Congolais bo continuer ko kota bo continuer ko s'abonner
bon continuer qu'on s'ajouter toutes les communautés congolaises binonyons au bas congolais et monde entier na kanisi debout congolais les ali plateau na binon préféré plateau ya baye balingi ekolo Congo na utai koloba awa ke biso tozalaki na fête ya indépendance 62 ans oyo biso tozali sous l'emprise ya complot international ya ba prédateurs mondiaux mais aussi sous l'emprise d'une mauvaise gestion de la chose publique entre guillemets mais sujet toye nango lelo ezali ko concerner ba décision o ezwa maki lisusu na Nations Unies toye bi ke na kati ya placard ya Nations Unies ba décision ezali ebele ezwa ma concernant la République démocratique du Congo ba décision juste na injuste ba décision juste etikala kanango sans effet parce que ezala kanango appliqué te etikala nango ko apporter solution mon côté à caractère durable na République démocratique du Congo pendant que Nations Unies azali lisusu voulu te na Congo na mission na ye la plus grande mission des Nations Unies dans le monde se trouve en RDC où il y a précisément le plus grand génocide qui n'a jamais été commis dans le monde. Pendant que les Congolais, à l'unanimité, les Congolais dans leur ensemble, ont des doutes sur l'existence des Nations Unies, sur le soutien apporté par les Nations Unies na Makambo ou Ezali Koronje, est la République démocratique du Congo. Je pense que soto tuni mutuna na 10 Congolais, 9 ou bien 9,9 ba kozala contre présence ya Nations Unies na kati ya République démocratique du Congo. Ba pourcentage ya muke wana oto komona wana c'est soit peut-être les ignorants ou peut-être les gens qui positifs ba to bazali ko tala makamu de manière positive ko lobake on peut encore espérer que Nations Unies akoyi ko sala quelque chose pour les Congolais. Tout le monde a dit que nous sommes là, nous sommes là, comment débat est roulé autour de la mission des Nations Unies. Même le président de la République n'a pas eu de doute pour l'exprimer dans la tribune des Nations Unies en 2019 comme en 2020 pour accueillir les Nations Unies que Toyebi Keboueda Bissot, c'est le langage diplomatique. Tu as vu que les Nations Unies ont zappé pour quelque chose, pour la protection des civils. Mais dans le moment où il y a eu le mot de justifier, pléthore, il y a un élément des Nations Unies, dans la République démocratique du Congo. C'est sur base de ça qu'il y a eu un engagement. Où ils ont déjà en cours, ils ont eu un engagement. Et maintenant, il y a un engagement. Il y a un retrait progressif, il y a un élément. Il y a la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, tout ça. Mais quand on a un moment où choisir qu'il faut un mouvement, un élément, MONUSCO, un retrait progressif, MONUSCO a lobby, non. Un retrait progressif en fonction de l'évolution et de la situation sur le terrain. C'est-à-dire, tout ça est là, est-ce que la population est au Koufa, est-ce que la situation est améliorée. Mais ce qui est observé jusqu'en 2024, nous avons accéléré le processus à départ parce que la 2024 est le départ définitif. Mais le col les alliés cop na bango, les alliés loko na bango, la organisation moko est comme un criminel. Sur le plan théorique, sur le plan y a initiative, nous avons bandé la société des nations qui est comme les Nations Unies. L'idée c'était la paix et la sécurité dans le monde. Mais ce qui est décrié aujourd'hui, c'est que l'ONU n'a jamais répondu à ses objectifs partout dans le monde. Biso na République démocratique du Congo, place au Biso Tozali. Le premier secrétaire général des Nations Unies est mort au Congo à l'époque de Lumumba. Si Lumumba est mort, Biso Tozo célébré, Biso wana Congo Tozo célébré. Commémoration à 62e anniversaire il y a indépendance en Burkina Faso. Oh Lumumba azali figure marquante. Au même moment les Nations Unies bazali kozwa décision il y a qu'au prolonger l'issue embargo na biso sur les armes.
bandeko eloko pona ngai nazomona ngweza déjà eloko moko symbolique il faut révolter ba congolais po mikolozo ya liboso tozokende Nations Unies tomoni ke réforme ya organisation wana à venir na ngwezo dépendre na Congo. Ça dit biso nde photo servir bango de leçon po batika injustice munenoyo bango bazo sala na Congo pe dans d'autres endroits à travers le monde. Lumumba senga ki aide ya Nations Unies ba sécuriser yi quand il s'est senti menacé pour tuer Lumumba po bazo Lumumba akwe na maboko ya gouvernement à l'époque bato bande ko luka ko bomaye l'ONU s'est retiré de la maison de Lumumba. Lumumba mutabengi sa bango soki ba ONU ya na Congo. C'est Lumumba na kasavo mutu ba benga ONU face à menace à ba succession et autres. Mais oni wana kake baluke la ba Lumumba oni wana mute sala ke ba retira sécurité ba ngoba ndeko apporter na Lumumba ba sacrifier yi. Si l'ONU avait décidé que mutu azali en danger nous le sécurisons jusqu'à ce que makambo baza ko reprocher tout monde la lumière na ngolo Lumumba serait en vie. Mais l'ONU a été complice dans la mort de Lumumba. Na kokota mingi te na histoire wana parce que bande ko bele ba yevi ango te ango na fongola ki parenthèse wana. Mais aujourd'hui, au même moment que Bissot, Tozali a célébré le 72e anniversaire de l'indépendance de Bissot. De manière symbolique, tout le monde aujourd'hui que Lumumba Zali quand même dans cette culture. Aujourd'hui, quand même, on lit mon écoupé manakimia selon la tradition de Bissot, d'être président de la République à l'Obi. On décide une fois de plus de nous humilier devant le monde. Ba nation, logo la, Ghana, Kenya, Gabon, Chine n'a récipé na simawana. Balobite, ezali susu juste te que bisoto maintenir tite loyo. Parce que expert à Nations Unies, balobino Congo a zan embargo te. Basi balongola na bango déjà embargo, le Congo peut acheter les armes comme balingi, bako bunda bitumba na bango. Mais, en même temps, il y a une complicité. L'embargo, oh, ils ont continué à peser ezali que tout ce que nous devons acheter comme armes doit passer par les Nations Unies, demande armes nyon so biso to liko soma. Même si nous voulons fabriquer na minute ba armes pa na biso les Nations Unies fo ayaka pour na ko vérifier ko certifier ba armes nini biso to liko fabriquer. Mais pendant ce temps, l'agresseur qui est le Rwanda na kanti bo moni bino nyon so na bilili ba casque ya armée rwandaise ba botte na kanti bo zo mona bino moko ba prévoyo. Donc l'ONU nous prend nous Congo pour na imbécile. Nations Unies waza représentante na bango wa lobby juste là baza ko luka ba preuve. O ezali ko la ki sa soutien ya Rwanda na M23. C'est-à-dire, on comprend ici que le monde entier est contre le Congo. Ba pays o loko la ba Chine na ba Russie bango ba lobby na bango ke bango ba lingi na bango te. Baza d'accord que la souveraineté du Congo peut être vraiment respectée, il faut que balongo l'embargo wana Congo soka linga soma minduki na ye ezali secret défense ya mboka moko te bakoko tchango sous tutelle batu bazali na droit ya kosoma minduki na bango pe ba tenir secret stratégie na bango. Mais oya biso stratégie ezana maboko ya batu oyo balingi biso tozala sous joug ya prédation na bango. Ça, c'est une insulte. Dans le moment où Bissot a fêté l'indépendance, ils ont digérable été. Bissot est congolais. Il y a un message. Je suis en colère parce que les Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, vous devez être en colère, vous qui êtes près de ces institutions-là, où il y a Kindoki, que le Congo s'est développé. C'est devant ces institutions-là qu'ils doivent désormais se passer des marches. Il faut que tous les Congolais du monde entier se mobilisent. Ça, c'est une injustice impossible. Aucun peuple dans le monde ne peut accepter ça. Agresseur ou à Rwanda, il peut s'y attendre sanction mon côté. Félix, c'est qu'il y a un sali tour du monde à expliquer Bango Moussala Nyonso, Makamu Nyonso, Bissot na Congo, tout ça, tout ça. Donc, ça ne suffit pas. On comprend ici que diplomatie à président. Vraiment tournure moussousou. Il faut aussi la maturité de tout un peuple. Il faut colère et à peuple que ça ne va plus. Les États-Unis, partenaire privilégié, il y a la République démocratique du Congo. Zéro.
Parce que dans le moment, ce qu'on attendait ici, c'est que Bato Bazali d'accord avec le Congo, Bato Bazali n'a pas congolais. Ba la ki sa bolingo ango baza na ngona ba congolais, même si les relations entre état lelo ba amitié za les sous-souté amitié ki o ba traité à un et comme kaka autour des intérêts ndé na za ko loba le monde est extrêmement capitaliste le couloir bando ki oyo ba zu en otage politique à mukili mobi. Ça c'est impossible. Pendant ce temps, on vient de massacrer encore parce que bana ya ba Rwanda na utaye ko lobango na émission elekaki bana ya ba Rwanda bazokufa na bango en désordre parce que bilanga na bango eza Congo, ils doivent protéger leurs intérêts. Tata na bango Kagame yebisi bango bokufa c'est pour l'honneur du Rwanda, donc vous défendez les intérêts du Rwanda en allant mourir dans les forêts congolaises. C'est là-bas où il y a les intérêts du Rwanda, allez mourir là-bas parce que nous n'avons pas de terre na lobangi yango désormais. Ça va changer. Si l'ONU n'aide pas les Congolais, l'ONU a kanisi que il faut continuer à combattre les Congolais. Si les États-Unis pensent qu'il faut pas être indifférent face à la malheur à Congo, il y a un autre moyen qui va embrouiller les choses. Parce que bango bazomo na ngaki ba Congolais, ils ont dingé na bango. Ce que peut balobi ba tomboka ba tomboka lelo lobi ba tiki na bango, ils ont ngo da mo mesano. Le peuple le plus vulnérable du monde, c'est le peuple congolais. Bako ko sala bango biso nyonso bango balingi bango ba yebi biso bongo ato yo ke suyo message que vraiment c'est ce que le monde pense de nous. Le monde pense que biso tozali balache et que c'est nous celles qui pouvons supporter de telles insultes, de tels actes o ezali injustice munene de la part de la communauté internationale. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'est. Mindoki oyo bazali ko armé nango oyo bazo armé nango armé rwandaise parce qu'il y a un temps pour toute chose. Ces mêmes armes là sophistiquées o to monaki oni a bazali ko présenter à lobby M23 l'armée rwandaise, je dois dire bazali na minduki belé bazali nango eza puissant ko leka même l'armée congolaise. Et ça même qu'on est quand même à Monusco, armement exacté. Na même moment, biso tozo loba makambo ndingwana awa bazolo bango. Kuna baboyi balobi Congo yo makambo minduki ya minene. To simbeli ona nous frère, il faut ya retourner kabiso. Soit bako kolinga, soit pe bako koboya. Mais ces mêmes armes qu'ils utilisent, pour mon agenzambe aussi azana côté ba congolais et que toza ebele, c'est notre manque d'unité. Manque na biso ya bolingo mboka bato bazaki na bolingo mboka lokola ba Mamadou Ndala ba Mbunza Mabe na temps moko ezalaki difficile oyo Kabila ezalaki wana pour servir les intérêts de tutsi. Les Mbunza Mabe et les Mamadou Ndala ba dirija ba bataillon ba kota ba komati na ba porte à Rwanda. Voilà pourquoi ils ont été tués, parce que ils ont débordé selon ndenge politique na bango ezalaki bakokaye konyata makolo kuna te. Voilà pourquoi ils ont été massacrés. Mais aujourd'hui, pour comprendre que l'armée congolaise est puissante, sur tous les fronts, va multiplier les ennemis. Mais l'armée congolaise a réussi. 27 rebelles, ba bomi bango, tués par les FARDC. Des armes type AK-47, des produits pharmaceutiques, ba radio, ba casque, des feux militaires, ba confisqué en moi et kangami na filé. Oyo lato, le biso qui na lati, ce qui va bétri ça, c'est qu'on a été. Non, attention. La guerre se joue sur des fronts, même sur le plan spirituel. Guerre ici Bundami, parce que l'injustice au biso tozo faire face nango, ce n'est pas une injustice normale. Même sur le plan spirituel, c'est un problème. Oyo balingo délivrance à Congo té. Ces satanistes là mondiaux, ba yebi ke bango pona bango l'est du Congo, kaka bango ni mutu bakoko décider. Mais attention, c'est déjà décidé autrement. L'armée congolaise a fait face à une menace où elle a créé sous drame ya kosakana té. Armement lourd oyo bango ba détourné ba longwe nango na Ukraine, destination ezalaki ke ba sala lisusu carnage na est ya Congo pour stopper Tshisekedi na élan patriotique ayé nango na bo objectif ayé nango ya kolongola guerre na est ya Congo. Il voulait créer un drame à l'est du Congo. Le président Félix Tshisekedi vient encore de sauver le Congo na dimension oyo ba congolais bazo comprendre yango te. C'est vrai, un seul individu, face à la politique des Nations Unies, il est vulnérable. Il est à tuer, c'est un homme à abattre.
Pas en tout cas, parce que nous avons dit qu'il faut que nous avons prié beaucoup pour le président de la République. Nous avons dit que nous avons décidé du monde. Nous avons dit que nous avons décidé. Parce que Dieu décide même avec Nakata Bango ba décider ouana Dieu fait les choses autrement parce que la plupart d'entre eux n'étaient pas d'accord que Félix Tshisekedi accédait dans le pouvoir. Nous savons tous comment aujourd'hui Félix Tshisekedi par miracle le peuple congolais l'ont choisi. Peuple andimi Félix Tshisekedi mais pour accéder ouana ils avaient na gré na bangote. Les mafieux du monde ba capitalistes ouana ba entreprises multinationales ils ont été surpris. Parce que dans la logique, dans la défense de l'intérêt, Félix Tshisekedi ne peut pas arriver là. Voilà pourquoi ceux qui badinent autour du président de la République, ils ont fait ça le théâtre. Ils ont fait ça dans la première année, mais tu te retrouves là derrière. Il y a une aventure qui dit que non, donc toi tu penses à ta vie. Mais tu as une vie qui est en danger. Et que vous qui êtes près de lui, il faut que vous ayez un patriotisme à haut niveau pour sauver une telle personne. Les plans y a bateau y a basali d'accord t'es na présence à Félix Tshisekedi au sommet de l'État visé encore à faire carnage à Munene. Bisous tous au monde là qui a oublié Bunagana, Bakoti boy basali boy. Mais ce que fait le Rwanda c'est la volonté d'une très grande aussi partie y a bateau basali la communauté internationale va décider balobi que comme Félix Tshisekedi ne cède pas politiquement, nous allons embrouiller les choses militairement. Il y a la foi dedans. Ce qui est un lobby, c'est un matin à yoté, c'est un matin à yoté. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais ce qui est un matin à yoté, c'est un temps du Congo. Babylon, ce qui est un médiocre spirituel, moyen de saisir un mouézati. C'est nous, Congolais, qui devons comprendre qu'il faut maintenant tous s'adapter à la logique où nous avons commis au Tinda Congo. Mais parce qu'il y a encore des médiocres parmi nous qui pensent que Félix Tshisekedi est un homme, Azana est un homme. Il faut combattre, il faut ruiner les efforts que fait Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi tout est tourné. Mais ces temps ici, les Américains, ceux qui vont comprendre, ils vont ça rapidement, où ils sont censés ça. Parce que c'est l'Amérique. Parmi les puissances, l'Amérique a une responsabilité à cause de la parrain à Tshisekedi. Il faut agir le plus vite possible. Sinon, si les autres puissances ou Anaba commis déjà et belé déjà na kaya Tshisekedi, ils vont perdre le Congo. Et ça, c'est une situation que ça kana nangote devant une situation lokola oyo le Félix Tshisekedi président de la République à ça lobaki yango. Même pour la mort, Moutou Abdimi ko prêté serment comme président de la République pour namboka nayi. Et ici, j'ai tiré un élément très important dans le discours ya président Félix Tshisekedi mukolo et adresse na ya la nation na makambo indépendance. Il a parlé de la vigilance. Ces mots-là, peut-être, ils ont ressemblé à ce que nous avons. Non. Un président de la République a dit qu'il a harangué selon l'émotion. Il est diplomate. Il peut utiliser des mots où ils ont décevoir, mais il a une stratégie. Mais les mots vigilance, c'est que il faut que photos à la vigilance. C'est face à cette menace-là de la communauté internationale. Qui utilise toujours bateau na bango, fabrication na bango local. Les Katumbi, les autres, tout ça, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Mais tous ces gens ici sont une fabrication du complot international pour embrouiller les Congolais. Et c'est connu, un Congolais normal sait faire l'inventaire. Il dit que fabrication internationale, il y a des politiciens congolais. Oyo ba kozala au service ya ba aventure na bango yeye bani tous ces politiciens là nous les connaissons biso musana biso eza koloba na bino o biso tolobite biso ya biso eza koloba notre arme c'est notre bouche to kokangaka yango te si faut qu'on utilise pour la vérité to koloba ka yango jusqu'à ce que le dernier congolais sera éveillé. Tant qu'il y a encore des Congolais qui sombrent encore dans l'obscurantisme et qui pensent que Félix Tshisekedi ndé mutawaya pour sauver yo, mukolo musuba ko violer moi sinon nanda ko yo zozela Tshisekedi aya pour aya ko défendre yo. Il est important à Minito face à une telle injustice internationale que les Congolais se prennent en charge. J'ai fait ce numéro na lingai na lobelango le soute makambo na moni ke to lobaka lobakango. Mais c'est important pendant que bazozo a décision à boyer.
nous sommes aussi un peuple. Et face à notre destin, nous avons un mot à dire. Bangote mutu fo baya ko imposa ka biso chaque fois na moment histoire na biso ba ligne to orientation biso photo zwaka. C'est grave. Aucun pays ne peut supporter ça. Eza loko la souveraineté ya Congo bazo piétina ka yango. Ça ce n'est pas le problème de Tshisekedi. C'est un complot qui a existé avant même la naissance de Félix Tshisekedi. Parce qu'avant l'indépendance, il voyait toujours les choses à leur manière, selon ben intérêt na bango. Après l'indépendance, ils ont vu les choses de la même manière. Et avec tous les présidents qui nous ont dirigés, c'est la même chose. Aujourd'hui, la tâche de Félix Tshisekedi est difficile parce qu'il doit relever les défis. Il y a un prédécesseur na union so ba raté na bango eza na mutu ya Félix Tshisekedi. Mais yo soki bongo na yo ko supporter te makambo oyo bato bazo comprendre le lot. Tu peux te taire, être au moins patriote. Kolanda au moins voya ba éclairer. Na lobaka plateau na ngeza plateau ya ba éclairer. Soki yo comprendre, ozo discuter na voisin, pesa un peu lumière. À comprendre que la patrie est sacrée et la patrie se protège. C'est par ces mots là ndena zo soki ça émission ya lelo. Soki yo comprendre que vous avez vraiment en colère, c'est que vous avez vrai patriote. Parce que face à l'injustice, on ne peut pas se taire. Toujours célébrer le Mumba, tout ce lié cercueil, tout ce monument. Toujours lire, il n'y a pas manakati tout ce. Parce que le monde entier avait voulu que Bato Bazako se voit. Baloba, pour l'intérêt de leur pays, soit éliminé. Et cette logique-là existe encore jusqu'aujourd'hui. Dans la peau de Lumumba, nous devons être en colère face à l'injustice. Toujours tolérer sous le côté. Si vous bien honorez Lumumba, le peuple congolais ne peut plus accepter que l'intégrité territoriale n'aille pas à la menacer, mais surtout quand il y a un autre, ça, ce n'est plus possible. Merci Nabino Batubolanda qui émission Oyo. Ceux qui a solo ou l'ingimbo kanayo, tous les amis sont sur Fardes et Namotema. Merci également à Ndekombi à Chako Oyo, à Sali qui émission Oyo, comme en étant de Nabino, de manière technique. Merci également encore à l'apôtre Gérard et puis Bino Nyon, si vous contribuez pour. Émission au début congolais et continuer qu'au Kenya de l'avant. Bisognons au phare de Sénamouté, mais c'est dans l'unité et dans l'amour que nous allons construire notre